Moi, je crois que, évidemment, toutes les sociétés comme les nôtres ont des problèmes qui se dérivent de la vie moderne. C'est une question de savoir comment s'adapter à la vie moderne pouvoir résoudre les problèmes qui se posent. Je crois que nous avons déjà entrepris des initiatives qui peuvent favoriser et qui peuvent nous aider à assurer un avenir de paix et de progrès pour le pays. Par exemple, la réforme constitutionnelle qui a été annoncée, la commission a été établie. Ça, c'est très important. Et les autres réformes que nous avons l'intention de faire dans tous les domaines économiques, sociaux, politiques. Tout ça va aider à assurer pour l'Éthiopie un avenir, j'espère, aussi grand que dans le passé. Et je crois aussi la paix dans le Moyen-Orient est aussi très favorable à la cause du développement de notre pays ainsi que de tous les pays qui sont nos voisins. Je suis très content c'est un problème qui est très difficile que je connais depuis que j'étais aux Nations Unies comme ambassadeur de mon pays. En 67, 66, 67. Et maintenant, on commence à trouver des solutions et des moyens pour permettre à tous les peuples de vivre ensemble, de coexister ensemble et de travailler ensemble au lieu de lutter l'un contre l'autre.